Bonjour à tous, nous étions quittés ici. On essaie de trouver le moyen de retourner à Scalis, simplement pour pouvoir enterrer nos parents. Le problème, c'est que je sais pas comment trouver le moyen. Il faudrait que je persuade. Je bug. Il faudrait que j'arrive à persuader le Sir, si je le retrouve d'ailleurs. Et si je vais directement parler à mon pote le machin là. Salut! Non, ben non, c'est même pas lui. Ok, pas la peine. Par contre, il y a un truc qui déchire, c'est que t'as aucun chargement. T'as rien du tout, du tout. Ouais, d'accord. Ils font tous dodo, c'est génial. Quelle heure il est? Bon, vous savez quoi? On va l'espioter. Une heure ou deux. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Alors. Eh ben. Qui passe? Je peux toujours pas monter de niveau de toute façon, donc ça sert à rien. Ouais, le temps passe, je suis d'accord, mais bon, faut que je trouve un moyen de sortir de ce truc. Il faut que je retrouve le mec en cuisine. Il sera en train de se payer un petit gueuleton. Ah oui, c'est vrai. Ouh, quelques petits soucis de. Où est-ce qu'il peut bien être? Quitter le château. Mais moi je veux bien quitter le château, hein. Y a pas de souci. Hein. Mais par contre, il faudrait vraiment que je trouve où est. Il serait pas là, tiens. C'est mignon tout plein ici. Là, non, on va éviter. C'est mignon tout plein, dis donc. Je regarde un peu dans les chambres, dans tout ça, voir un peu. Pouvoir m'aider, elle va peut-être pouvoir m'aider. What do you want? I would like to ask your assistance, my lady, if I may be so bold. What's the matter, lad? I need to get out of the castle, and your husband is keeping me here by force. Why, for the love of God, would you want to leave the castle? Donc je suis plus forte qu'elle en tank, elle est plus forte que moi en force, oui, ça peut. Oui, mais de toute façon, j'ai que ça à donner. My parents are lying in the mud of Scalitz at the mercy of dogs and jackdaws. I can't just leave them there. That's terrible. May the Lord have mercy on their souls. But how can I help you, Henry? I don't want your death on my conscience. If I could just get past the guard at the gate somehow. But you can. If you wear a proper suit of armor, and if he can't see your face, he won't recognize you, and he'll let you go. Good thinking. Mm-hmm. And where can I get the armor? At the armory? Where's that?
in the gate tower. But the soldiers sleep in other places around the castle too, and you might find armor nearby. It's rather embarrassing, but if I'm to pay a bribe, I need money. Unfortunately, I don't have any. How would you? Don't worry your head about it. This should be enough. Oh, vas-y, fais péter la thune. I will repay you, I swear. They'll certainly ask where I'm going. You could tell them Sir Robard sent you to Ujits, to ask the parish priest how the folk there are faring. That sounds reasonable. Parfait. Allez. Thank you, my lady. I must go now. Allez. What do you think, my lady? Do I look like a Talmberg soldier? Not quite, Henry. Just look at you. C'est sympa. I see. Well, thanks. Allez, allons chercher l'armure. Bonne nuit, douce dame. Merci pour ton incommensurable soutien. L'armurier, l'armurier doit être là-bas, où il y a le point. Il me semble. Ok, alors. Ah, c'est volé carrément. Ah ouais. J'ai pas de crochet. Ah, je suis peut-être pas dans l'armurerie en fait. Si, c'est l'armurerie ça, non? Ça m'embête parce que... Ok, d'accord. Ah ben, je peux pas les prendre. Ah oui, d'accord, c'est beaucoup plus simple de les prendre comme ça. Donc, alors, vu que j'ai volé, ok, équipé. Ah oui, d'accord. T'as même pas le temps de viser que... Ok, d'accord, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Arme. Par contre... Pourquoi j'ai pas l'épée? Je peux pas l'utiliser du tout, l'épée?
Non, d'accord, c'est vu que c'est un objet de quête. Une objet, oui, puisque moi je dis une objet, ça pose un souci à quelqu'un? Faudrait que je trouve une armure maintenant. Je peux pas lui parler, non? Ça c'est l'armurerie. Le problème c'est que j'ai aucun foutu crochet. Parce qu'elle m'a parlé de garde endormie. Faudrait que je vois. Une armure de... Ouais bah ouais c'est ça le problème. Et si j'ai pas de crochet je peux pas trouver une armure. Où est-ce que je pourrais trouver des crochets? Parce que là concrètement... Le truc c'est que je vois même pas... Ça ressemble à une armure du coup pliée, développée, je sais pas. Là j'ai pas de crochet. Non, hein, parce que là je suis déjà venu ici. Mais... C'est dommage qu'on puisse pas prendre les armes. Là. Ouais, c'est ça. Tant que j'ai pas de crochet, je peux rien faire pour le moment. Et merde. Sorry. Hey you, what are you doing? Fuck off before I lose my temper. Ouais, je suis parti. Putain, mais c'est fou ça, où est-ce que je vais pouvoir trouver une armure? Réfléchissons. Tiens, ah, c'était pas là qu'il dormait les gardes? C'est... Attendez. Non, lui... Non. Il y avait un endroit où j'ai vu des... T'as pas les dortoirs des gardes, un truc comme ça? Non, là, je peux pas y aller. Où est-ce que j'ai vu? J'ai vu des lits. Je me rappelle avoir vu des lits. Et... Évidemment je peux pas. Tiens, ça peut toujours être utile, c'est un flambeau. T'as pas des crochets ici par hasard? Non, t'as rien d'autre? Comment je pourrais trouver des crochets? C'est bien comme jeu parce qu'ils t'aident pas spécialement plus que ça. Ils te disent oui, tu dois faire ça, mais ils te donnent pas de solution et tu cherches en fait. Et c'est plutôt agréable parce que dans la plupart des jeux, ils te mettent un point. Voilà, ils te mettent un point, ils te disent voilà, va là. Donc tu vas là, tu récupères le machin, puis tu pars. Et tu réfléchis pas spécialement à ce que tu fais, tu suis juste le. Tu suis juste l'histoire. Et ça t'apporte pas grand chose dans le sens où tu. T'as jamais l'opportunité de réfléchir ou quoi que ce soit, puisque tu fais que suivre en fait. Mais si ici, si, justement, on a la possibilité. Je vais faire ma toilette? Non, mais au moins je suis lavé, c'est déjà bien. Si ici on a la possibilité, justement, de devoir réfléchir un peu plus que d'habitude, c'est pas plus mal. Ça fera des vidéos qui seront un peu plus longues, enfin, le jeu avancera moins vite. Mais ça nous permettra au moins d'avoir de quoi. Il faut que je trouve des crochets. Où est-ce que je pourrais trouver des crochets? T'as bien un villageois qui est un peu... Ah, un marchand, le marchand, oui, évidemment. Peut-être que lui va me vendre des crochets. Ah, c'est pas con. Allons voir le marchand. J'ai un peu de thune. Surtout que la gente dame m'a refilé de la thune sympathiquement.
Oh, j'ai trouvé comment courir. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Il est censé être où, le marchand? Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était... Voilà, merci. C'est pas un voyage rapide que je veux faire, c'est... Pourquoi je peux... Ah, voilà, merci. Parcourir onglet, afficher... Pourquoi je peux pas sauter? Alors, j'aimerais juste faire un zoom sur la carte. Ah, merci. En fait, il faut zoomer pour... ok. C'est quoi ça? Donneur d'activité. Ok, lieu inexploré. Arène de combat. Armure. Bah oui, mais... Boulanger. T'as une boutique qui est juste à côté. Ok, d'accord, je joue escale. On doit être là. Ah. Elle serait au-dessus ou alors c'est fermé peut-être avec l'heure qu'il est. Ah, je sais. J'ai trouvé comment courir, c'est génial. Elle est où sa porte à lui? C'est quoi ce bordel là? Et je sais que le temps presse. Bon, je peux pas rentrer. Il rentre comment chez lui? Bah je pense qu'il doit... Attends, on va essayer de parler à lui, non? Et peut-être savoir que je peux trouver... Is there someone here who trades in goods? Votava is your man. He's the local dealer, a skinny fellow. I saw him by the granary. Okay, près de la branche. He'll buy anything that has any value, and he'd sell you his own granny. If he hadn't already sold her along. C'est que j'avais pas capté ça tout à l'heure. Près de la grange. La grange est où? C'est ça la grange? Peut-être ça. Ça c'est lui, non? Non. Alors, définition de grange. Parce que bon. Ah, boucheur! Qu'est-ce qu'ils entendent par grange, sans déconner? Hey! Oh, c'est pas une grange, ça. Ça va être une porte, ça, non? Je peux pas l'assommer comme ça, là. Pac! Damn! Bam! Exactement. C'est qui le foutu vendeur? Le problème, c'est que... Grange, qu'est-ce que ça... Ça tout ressemble à une grange? Je peux pas crocheter, mais alors si le truc de vente est là, moi je suis pas dans la merde. Il me faut que je trouve un crochet, mais comment trouver un crochet ou quelque chose comme ça? Parce qu'ils me disent que l'armure, est à l'armure et jusque là c'est pas très compliqué. Mais s'il me faut un crochet pour aller acheter les crochets, je suis pas dans le cliquet. C'est qui est toujours là, mec. Comment je peux pas le parler? J'ai pas envie de tuer un mec, en fait.
How are you? Est-ce que du côté du château, where I can buy and sell things? Well, if it's food you need, go and ask in the kitchen. But if you want something else, I can't help. One of the villagers might. Ok, d'accord. Il n'y en a pas un qui va vouloir m'aider, hein. Hey, you've no business here. Clear off or you'll be sorry. What the? What is that? Comment je peux faire pour... Le truc, c'est qu'il me faudrait bêtement un crochet, je pense. J'ai même pas le crochet, quoi. Jesus, look where you're going. Well. You there! Stop! Surrender! You're under arrest for breaking the law. Enough! Okay. Please! Are you... D'accord. Et donc, il se passe quoi quand tu te rends comme ça? I told you to clear off, and I was deadly serious about it. This definitely won't come cheap. You'll learn crime doesn't pay. Ah oui, d'accord. Look, I'll tell you the truth, but you mustn't tell anyone. Lord of Rattai sent me on a secret mission. Le mec qui tente le tout pour le tout. To do it, I have to bend the law a little now and again. Understand? My heart bleeds for you. I can't pay that. Well, it's a jail cell for you then. Ah. Bon, allez, ciao. All right. Here you are. You've paid for your crimes. I hope you've learned your lesson. Comment je fais me débrouiller? Hey, you no good. Why are you creeping around? Hey, who's there? Franchement, je galère à trouver parce que si j'avais un crochet, c'est con, hein, mais si j'avais un crochet, je pourrais débloquer le coffre, ce qui me paraît logique. Le problème, c'est que je sais pas où acheter les crochets. Et le problème, c'est que le seul endroit où je pense pouvoir acheter un crochet, c'est fermé. Voilà, voilà. Le problème, c'est que je sais pas quelle heure il est. T'as l'heure sur la carte ou pas? Enterrez votre... Ça me dérange pas, mais qu'il faut qu'il y ait une armure de Talmer. En fait, l'armure m'intéresse, mais il faudrait que je chope un... Il faudrait que je trouve le moyen de l'ouvrir, quoi. Et vu que j'ai jamais chopé de crochet, je sais pas à quoi ça ressemble spécialement. Je sais pas si c'est un petit truc sur un... Voilà, je... Pas la moindre foutue idée, quoi. Et vu que je sais pas quelle heure... Ah, attendez. Putain, tu déconnes. Le mec me claque la porte au nez et s'en bat les couilles, quoi. Oh, pauvre merde. Hey, watch it. Mark my words. Putain, mais c'est fou, ça. Le temps presse. Je veux bien, mais je fais quoi? Je fais quoi, putain, si le mec veut pas m'ouvrir la porte, si je peux rien lui acheter? Ah, you want to stick your head over the door? T'es qu'un villageois de merde. Good day. Is there someone here who trades in goods? Votava's your man. He's the local dealer, a skinny fellow. I saw him buy the granite. He'll buy anything that has any value. If he had... Ouais, ouais, très drôle, très très drôle.
Je galère depuis une de... Ah! Dis-moi que c'est toi qui vends des trucs. How are you? Ah, is there someone here who trades in goods? Putain, non, c'est pas lui, hein. Votover is your man. Bah oui, he's il est où? The local dealer, a skinny fellow. I saw him by the granary. If he hadn't il est où? Il est où? Je vais me tirer une flèche dans la tête. No, but she's not from around here. She bien sûr, on donnerait pas son putain de nom, hein. Bon, on va tous les faire, c'est pas grave. Villageois. Tu peux même pas ramasser le chou, quoi, c'est honteux. Parce qu'on... Honnêtement. Une grange, pour vous. Ah, mais... Tiens, ce serait pas le mec qui... Avec les cheveux... Attendez. Parce que ça se trouve, c'est pas là, c'est... Parce qu'il n'y a pas d'animaux, là, spécialement, donc je peux pas vous dire... T'es qui, toi? Oh, quel mec? T'es qui, toi? Un villageois de merde, d'accord. Putain, mais c'est fou de galérer autant pour un truc aussi con. C'est dingue, quoi. Putain, je suis dans la merde. Je peux pas lui parler. Ok. Ok, ça me prend le chou. Ça me prend le chou parce que... J'ai fait je ne sais pas combien de fois le tour. If he did it for free, he'd be overcharging. End of the world is nigh. Nothing to worry about. And we can always come and take shelter here at the castle. T'es qui toi? Ah bah voilà, peut-être que lui va pouvoir m'aider finalement. En fait. How are you? Ok, d'accord. Voilà. Putain, elle est où cette grange? Je pète un câble. D'accord, je peux pas sauter là au-dessus, je peux pas passer dans le trou. Donc c'est pas lui. Je vais devenir fou. C'est pas lui. What the hell? Là j'ai fait le tour, il y en a pas. Comment tu t'appelles toi? Ben non, ça doit pas être toi puisque toi je t'ai déjà parlé. Le jeu va me rendre dingue. Le jeu va me faire péter un câble, je vous jure. Hein. Je suis à deux doigts. Hein? What is it? How are you? Is there someone here? Votova is your man. He's the local dealer, a skinny fellow. I saw him by the granary. He'll buy anything that has any value. D'accord, je l'ai vu près de la grange. If he hadn't already sold her long since. Ok. Jesus, look where you're going. What is it? Ok. On reste au zen. On se prend pas le chou, d'accord. Carte. Thank you.
qui me tue, c'est qu'en fait la boutique a l'air d'être d'être à l'endroit où en fait où je vais aller depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas l'air d'avoir la possibilité d'acheter un truc quoi. Pourquoi je peux pas rentrer dans cette putain de boutique? Oh bah c'est qu'il doit avoir une autre solution, moi je vois pas d'autre moyen. Là je galère, je tourne en rond depuis 18 fois et ouais, depuis 20 minutes quoi. Ce qui est génial c'est que sans crochet je peux pas crocheter les coffres. Ce qui est terrible, n'est-ce pas hein. Je ne peux ni crocheter les coffres, ni faire tout ça. C'est dingue. Oh merde. Surrender. You've committed a crime and I'm arresting you. I'm warning you. Give yourself up. Ouais, là ça me gave. Franchement, là ça me gave parce que du coup en plus je vais perdre tout mon fric parce que évidemment bien entendu, hein. I won't repeat it again. All right. You win. I surrender. Voilà, hein. On va payer la truc. Ça, c'est génial. C'est You're génial. Nothing but a thief. I saw you. Mais t'as This vu quoi? Definitely won't come cheap. You'll learn crime doesn't pay. Allez, vas-y, paye la putain de somme. Oh, well, merci. What can I do? Here you are. You've paid for your crimes. I hope you've learned your lesson. Give me back the stolen goods and show me what else you have on you. Allez, vous savez quoi, je vais faire une pause parce que sinon je vais péter un câble. On va se retrouver pour la prochaine vidéo, je vais essayer de m'enseigner sur ce que je peux faire. Voilà, ce que je vais faire c'est... Voilà, hein, ça c'est pas mal. Et je vous dis à la prochaine, allez, salut.